La première scène, eh bien, c'est directement la mort de Joël. On entre dans le vif du sujet. En effet, dans le jeu, Joël se prend un coup de fusil à pompe dans la jambe et ce dernier se fait torturer par Abby à coups de club de golf. Et fort heureusement pour nos petites âmes sensibles, nous n'assistons pas à la scène de torture. À la base, l'idée de Naughty Dog était différente. Abby aurait dû, dans un premier temps, couper la main de Joël qui la mettait en joue à l'aide d'une machette. La séquence de torture à laquelle on devait à la base assister aurait dû se faire à la machette et non au club de golf. La deuxième séquence que l'on peut analyser se déroule au même moment. Ellie et Dina sont en patrouille aux alentours de Jackson à cheval. Et cette fois, c'est une séquence de fuite à cheval avec une horde d'infectés qui est inexistante dans le jeu. Est-ce que cette scène devait se dérouler avant la tempête, que le nettoyage du centre commercial devait à la base mal tourner? Hélas, pour le moment, impossible à dire. De retour au chalet où Joël passe un mauvais moment pour cette troisième séquence. Joël est en pleine séance de torture et nous aurions dû y assister. On le voit gisant au sol, puis adossé contre un mur, une main en moins, attendant simplement sa rencontre avec la mort. Quatrième séquence, c'est le moment où Joël est passé de l'autre côté. Ça y est, il est mort. Ellie se réveille et elle se précipite auprès de son père adoptif pour le prendre dans ses bras, en larmes. Durant cette même séquence, on peut voir Ellie en larmes avec Dina derrière elle qui lui fait un câlin. Les deux regardent Tommy, Jesse et deux autres personnages, sans doute des renforts de Jackson, en train de placer Joël dans un sac mortuaire. Beaucoup de joueurs l'auraient voulu, dont moi, je confesse, assister à l'enterrement de Joël. Mais malheureusement, ce dernier ne fut pas au programme ni dans le jeu et visiblement ni dans les travaux préliminaires puisqu'on n'en trouve aucune trace. La cinquième séquence, c'est l'arrivée à Seattle et plus précisément le modèle d'Ellie. Cette image avait leaké en 2015 ou 2016, bien avant le reveal de The Last of Us Part 2. Et pour la petite anecdote, beaucoup de personnes pensaient qu'il s'agissait en réalité d'un fan art et non d'une image officielle. Et pourtant, c'est bien le cas. La sixième séquence concerne un lieu que l'on ne visite pas à Seattle. La fameuse et emblématique Space Needle que l'on voit au loin sans jamais s'en approcher. On peut voir qu'à la base, les Dogs avaient pensé à nous la faire visiter puisque l'on voit que cette dernière est modifiée et semble habitée par les Séraphites. La septième séquence est une nouvelle fois l'évolution d'un personnage, à savoir celui de Dina. À la base, Naughty Dog avait prévu un look et un physique complètement différents de celui de Cassiana Cardona, l'actrice qui prête ses traits à Dina. On retrouve une fille un peu plus rock'n'roll, plus extravagante, mais les Dogs ont complètement changé d'orientation car ils considéraient que le personnage et son style allaient avoir du mal à se cacher et passer inaperçu dans les rues de Seattle pour faire de l'infiltration. Huitième séquence avec un de mes moments préférés dans le jeu. Le premier souvenir d'Ellie pour son 16e anniversaire où Joël lui fait la surprise de l'emmener au musée d'histoire naturelle du Wyoming et que l'on découvre des dinosaures mais aussi de l'astronomie et cette séquence complètement folle de la navette spatiale. Eh bien au départ, cette séquence dans cette navette devait se dérouler en extérieur et non à l'intérieur du musée. Deuxième souvenir d'Ellie à la fin du jour 2, lorsqu'elle est un peu plus âgée. Cette fois, le souvenir n'était pas censé débuter avec Tommy. Ou du moins, Ellie et Joël ne devaient pas se rendre dans une ville pour trouver un magasin de musique afin de trouver des cordes de guitare, mais plutôt partir dans de grandes contrées en pleine nature. Après Dina et Ellie, place à l'évolution de Joël, cette fois avec les différents travaux de Naughty Dog. Et oui, on va pas se mentir, mais son look cheveux mi-long est carrément plus badass que le modèle de départ avec un Joël qui ressemble quand même pas mal à un petit pochetron que l'on pourrait retrouver dans nos meilleurs bars PMU de nos petites villes.
Pour la 11e séquence, rendez-vous lors du 3e jour à Seattle avec Ellie, et plus précisément lors de la mort assez brusque, non voulue certes, mais tout de même assez marquante, d'Owen et de Mel, qui ne devait pas du tout se dérouler comme dans le jeu. Ellie n'aurait pas dû tuer par maladresse Owen, ni poignarder Mel, puisqu'on peut voir sur cette image que Mel semble assise et semble se rendre à Ellie, tandis que Owen est derrière et semble lui aussi être assez apaisé. Juste après la mort du jeune couple et du coup des futurs parents, Ellie sombre dans une grande détresse émotionnelle que nous n'avons pas le temps de voir dans le jeu, puisque c'est à ce moment-là que Tommy arrive. Et pourtant, dans les travaux de Naughty Dog, c'était bien prévu. On pourra tout de même découvrir le choc émotionnel d'Ellie lors de son retour au théâtre, mais initialement, les Dogs avaient prévu de rendre Ellie encore plus mal avec une scène déchirante où on voyait la jeune femme en larmes, en boule, recroquevillée sur elle-même, complètement détruite. La 13e séquence est le tout premier souvenir d'Abby avec son père près de l'hôpital des Lucioles, à Salt Lake City. Dans le jeu, nous commençons à jouer avec la jeune fille en pleine forêt à la recherche de son père qui a disparu. A la base, Naughty Dog avait un plan pour faire commencer la séquence avec la jeune fille chez elle en train de passer du bon temps avec son père pendant une partie d'échecs, puis un peu plus seule dans sa chambre avant de repartir à la recherche de son père. Pour la 14e séquence, on va parler d'un des plus gros changements scénaristiques concernant la dernière soirée de Joël. Une séquence que nous avons à deux reprises à la fin du jeu. Dans un premier temps, lorsque Ellie se souvient de son premier baiser avec Dina et de cette soirée où elle engueule Joël. Puis dans un second temps, il s'agit de l'ultime souvenir lors du tout dernier échange assez triste entre Joël et Ellie. Et bien à la base, Abby était censée arriver à Jackson un jour plus tôt et s'infiltrer dans cette soirée. La jeune femme aurait dû aborder et faire connaissance avec Joël pour lui soutirer des informations afin de lui tendre un piège en dehors de la ville. En 15e séquence, rendez-vous au moment du prologue, lorsque Ellie et Dina sont rentrées de Seattle et qu'elles ont leur propre vie posée dans une ferme près de Jackson. À la base, on aurait dû avoir un prologue un peu plus long avec de nombreuses scènes supplémentaires nous permettant de découvrir un peu la vie de Dina et Ellie, notamment une séance de chasse au gibier de la part d'Ellie qui aurait été accompagnée de Dina et qui lui aurait donc appris à chasser. En 16e séquence et toujours à la ferme, il n'aurait pas été impossible d'avoir une mini-zone en open world comme le premier jour de Seattle, nous permettant quelques séquences à cheval aux alentours de la ferme pour explorer les horizons. Toujours à la ferme, il était bel et bien prévu qu'à la base, Ellie soit accompagnée du début à la fin par un chien, qui aurait survécu à la fameuse virée à Seattle puisque ce dernier était censé être présent au moment du prologue. On peut imaginer alors qu'Ellie aurait également perdu son chien au moment de sa séparation avec Dina. Ou alors que ce dernier l'aurait accompagnée à Santa Barbara et qu'il aurait pu survivre ou non. Lors des quelques moments entre Dina et Ellie à la ferme, il y aurait dû y avoir un peu plus de scènes comme une séquence sans doute juste après la chasse où Ellie dépèce un lapin aux côtés de Dina ou encore un moment plutôt intime entre les deux femmes. Enfin, pour en finir avec la ferme, il faut savoir qu'à la base, ce n'est pas Tommy, mais bien Maria, sa femme, qui était censée donner les renseignements à Ellie sur la position d'Abby et son voyage à Santa Barbara. On peut ainsi penser que dans ce scénario, Tommy n'aurait tout simplement pas survécu au tir d'Abby dans le théâtre à Seattle. Et enfin, pour la 20e et ultime séquence modifiée, Ellie aurait dû traverser un genre de cimetière d'avions près de la base des Crotales, une option qui sera finalement abandonnée et remplacée par des trains. Voilà pour cette nouvelle vidéo autour de The Last of Us Partie 2 et des petits secrets de développement et des scènes alternatives pensées et imaginées par Naughty Dog. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos scènes préférées et celles que vous auriez aimé voir dans la version finale du jeu. Sur cela, on se dit à très très vite sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube pour pas mal de nouveaux contenus. N'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite. Salut à tous !